Investir le Centre Pompidou, c'est investir un lieu mythique en tant que Parisien. Plus qu'un spot, c'est plus une histoire en fait, s'ancrer dans une histoire de l'art où ça m'intéresse de plus en plus d'aller me confronter un peu à l'art contemporain, entre guillemets. L'enchère, le choix c'était de les utiliser par rapport à leur forme, qui pour moi représentait qui était assez organique finalement, donc ça, par rapport à mon travail organique et mécanique, donc ça se mixait parfaitement. Moi je voyais tout de suite des épis de maïs en fait, donc c'était utiliser la forme de manche à air comme partie technique, comme partie mécanique, et le mixer avec ma partie végétale. Et en fait, plus qu'une pièce de rue qui était un motif évident en fait, créé de A à Z, là c'était vraiment par rapport justement à ce qui me plaît dans le street art et dans la rue, c'était vraiment investir un objet qui existe déjà et en rajoutant juste quelque chose, de le détourner complètement. C'est la première fois que je vais aussi loin en fait, c'est plus... Et du coup, je considère ça plus comme une installation qui est finalement qui m'intéresse parce que c'est plus qu'un. C'est pas si simple que ça en fait. C'est ça que je trouve assez génial en fait. C'est juste le fait de rajouter une feuille qui est assez stupide, mais du coup, ça recrée un espace et ça détourne complètement l'objet. Donc, c'est. Je trouve finalement presque plus intéressant et ça me pousse plus à aller dans les choses. Radical, plus qu'un objet de déco ou un visuel efficace, mais sans vraie action, entre guillemets, quoi, sans ce côté détournement et prise en main de l'espace. Ateliers. Donc l'idée c'était de recréer des affiches de pub, en fait surtout dans la mise en page de l'affiche de pub qui existe, qu'on voit souvent dans les abris de bus par exemple. Et c'est-à-dire, pour moi comme je la considère, c'est-à-dire une image assez abstraite, limite quelquefois incompréhensible, et juste idéalisée par un logo ou par un mot que reprend la pub en lui donnant ce côté luxueux ou l'idéal, ou un style de vie. Le concept, c'est d'utiliser mes visuels qui n'ont rien à voir avec un visuel de pub et qui sont finalement dans le même style parce que abstraite, alors on peut l'idéaliser, on la comprend pas trop, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, rajouter un mot commun qui est en fait un nom de parfum dans le même concept. Le mot commun devient idéal parce qu'utilisé par une marque de parfum, mais qui finalement n'est qu'un mot du dictionnaire. Donc c'était un peu ces contrastes-là qui m'intéressaient dans l'atelier.